Et si tout n'était que mouvement, une foulée, un trait saccadé de vitesse, l'instant passe, imprégné du réel. L'image se désynchronise, le mouvement enlace le corps de l'animal avec celui de l'humain. Entre dessins, chronophotographie et vidéo, les clairs obscurs brillent, les courbes se ressemblent. La trace alors laissée perdure en notre douillet souvenir, cocon des imaginaires. Allô, oui, ça va, c'est Zoméca. Oui, bah écoute, ça va, tout commence à se mettre en place tout doucement. Je prendrai la route lundi, ça nous fera arriver à Marseille, je pense, le mercredi matin. L'idée ensuite, c'est de rencontrer l'équipe du Haut Mur du Fond à la Cité des Arts le mardi soir pour qu'ils nous présentent un petit peu le fonctionnement du lieu. On va être en résidence toute la semaine, donc l'idée c'est aussi de prendre le temps avec le poney de bien repérer les lieux et de rencontrer aussi le public qui est habitué un petit peu à ce genre de fresque et qui pour une fois va assister à quelque chose d'un petit peu différent, vu que là l'idée de se graffer ce mur c'est aussi de venir avec un cheval et d'intervenir et de nuit et de jour entre deux concerts qui seront organisés aussi par l'équipe du Mur du Fond. Donc voilà, ça se met en place tranquillement.